C'est quasiment officiel, le FC Barcelone tient déjà sa deuxième recrue. Tous les détails dans cette vidéo. Eh bien, salut les footeurs, salut les Catalans, bienvenue sur votre chaîne. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité football et Barcelone en particulier, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Notre Instagram, notre Facebook, notre TikTok sont dans la description. Allez nous follow. Merci à vous tous qui le ferez. Question. Que pensez-vous de l'arrivée de Franquesio FC Barcelone? En avions-nous vraiment besoin ou pas? Donnez-nous votre point de vue dans les commentaires, nous vous lirons et vous répondrons. Et on n'oublie pas, objectif de la semaine, 40 000 abonnés sur la chaîne. C'est parti! Après avoir quasiment bouclé l'arrivée d'Andreas Christensen, le FC Barcelone s'est lancé sur la piste de Franquesio. L'Ivoirien aurait déjà signé son contrat avec le club catalan. Explication. Le FC Barcelone continue de se renforcer après avoir quasiment bouclé l'arrivée du défenseur central de Chelsea, Andreas Christensen, qui arrivera libre de tout contrat l'été prochain. Le club catalan s'était lancé sur la piste Franquesio depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de 25 ans était courtisé par de nombreuses écuries européennes, à l'instar du Real Madrid, de Tottenham ou encore du Paris Saint-Germain. Mais finalement, la presse espagnole annonce que l'Ivoirien avait bel et bien trouvé un accord avec le Barça. Selon les dernières informations de la carte de Nasser, Franquesio a déjà signé son contrat avec le Barça pour la saison prochaine, comme le rapporte Adria Albet. Il arrivera sous la forme d'un transfert gratuit après l'expiration de son contrat avec l'AC Milan au 30 juin prochain. Un profil recherché et désiré par Xavi et l'ensemble du staff barcelonais. Le Barça n'a pas fini son mercato. Une bonne opération pour le FC Barcelone qui souhaiterait renforcer son milieu de terrain sans trop dépenser. D'autres sources espagnoles indiquent que le Barça a proposé un salaire de 6,5 millions d'euros net par an pour convaincre Kessié. D'abord prêté en 2017 chez les Rossoneri par l'Atalanta, il avait ensuite été acheté contre 24 millions d'euros. Pour sa dernière saison, sous les couleurs rouges et noires, il a joué 29 matchs, marquant 6 buts. En plus de cela, le Barça s'active pour trouver un nouveau latéral gauche. Le club catalan négocie toujours avec Mazraoui, le Marocain de l'Ajax Amsterdam, qu'il voit comme un profil intéressant pour remplacer Jordi Alba. Le capitaine de Valence, José Gaya, est le favori pour lui succéder, mais ce ne sera pas facile de convaincre Valence de le lâcher cet été alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Sur le front de l'attaque, la piste Erling Haaland est toujours là et deux autres stars sont également courtisées, à savoir Robert Lewandowski et Mohamed Salah. Alors, quel est votre point de vue concernant cette nouvelle actualité, concernant l'arrivée de Franquesio FC Barcelone? Donnez-nous votre point de vue dans les commentaires, nous vous lirons et vous répondrons en tout cas. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo. On n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à s'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité football de Barcelone en particulier, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Notre Instagram, notre Facebook, notre TikTok sont dans la description. Allez nous follow. Merci à vous tous qui le ferez. Prenez bien soin de vous et à très vite pour d'autres actualités football. Tout aussi intéressant sur la chaîne. Ciao.